Yé YouTube, c'est Sean Kezma et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui jeunes gens pour le 22e épisode de notre aventure sur Paper Mario. Toujours jeunes gens compagnie de Kaz Mario et de Dambou. Et nous revoici tout en haut du ravin ventu, prêts à aller affronter Tuba Blooba qui se terre dans sa demeure. Alors, nous étions à la recherche de Tuba Blooba qui dévore tous les bouts qui traînent aux alentours de chez lui. Et il se trouve que Dambou nous accompagne puisque elle nous a promis en récompense de la victoire du combat le 3ème esprit étoile. Puisque rappelez-vous, nous sommes à la recherche de tous les esprits étoiles, sauf que sur ce coup-là, eh bien, il n'est pas détenu par un méchant. Enfin, techniquement, il l'était, sauf qu'il a réussi à s'échapper, mais il a été recapturé par les bouts. Sauf que nous, on lutte avec les bouts, alors que normalement, on est contre les bouts, mais voilà, en tout cas, l'histoire se déroule comme ça. Dambou est avec nous, ça se passe très très bien pour le moment. On était arrivé à cette salle, malheureusement, on était face à un ennemi qu'on ne pouvait esquiver, puisque rappelez-vous, ces ennemis dorment. Sauf que, avec les touches que j'avais de base, je ne faisais que courir. Il se trouve qu'avant, je bougeais avec les flèches directionnelles, et maintenant que j'ai réglé un petit peu ma manette, je bouge silencieusement avec les joysticks, et ainsi, ça va me permettre de passer outre les combats inutiles et surtout de gagner un temps précieux. Sauf que, puisqu'il s'agit d'un nouveau monstre, je vais le rajouter à mon glossaire en lui bottant les fesses. Et surtout en prenant initiative. Alors, qu'est-ce que ça vaut ces trucs? Alors, ce que j'ai pas pensé à faire par contre, c'est à mettre Goombario en premier, comme ça je pourrais déjà l'avoir dans ma collection. Et ainsi, on aura gagné le premier tour à faire, ça. Parce que du coup, là, j'ai perdu un coup pour pas grand-chose. Bref. Petit coup d'indique sur l'ennemi. C'est un Machoc, ce sont les gardes principaux du château de Tuba Blooba. PG Max 8, puissance 3, défense 0. Ils dorment souvent au boulot, si tu marches très doucement, ça ne les réveillera pas. Ils ont l'air costauds, mais ils lisent la commande d'action correctement et hop, c'est fini. Bon bah voilà, écoute, on va essayer de faire ça correctement. Je vais juste à... Blop. Ok, alors, j'étais en train de retirer mon écouteur, c'est pour ça, il y avait... Pas de jeu. Bordel. J'arrive pas à faire la commande d'esquive, ça c'est un truc de fou. Je me suis un petit peu échauffé, j'ai essayé de revoir les bases que j'avais pu oublier en un mois, tout ce qui était surtout pouvoir d'esprit étoile. Par contre, il faut quand même avouer que tout ce qui est esquive, je maîtrise toujours pas. Alors, petite nouveauté, j'ai passé un level, c'est pour ça que maintenant j'ai 25 points de vie. Et du coup, on va se faire un petit coup de boost des familles, se préparer à l'action et ainsi botter les fesses de ces mastocs qui se prennent pour des gros durs. Alors attends. On va prendre un personnage qui sert un peu plus. Je pense que pour le moment, on est d'accord pour dire que Dambou est super utile avec son pouvoir d'intangibilité. Bordel, surtout que je suis super mauvais pour me prendre des coups. Enfin, pour esquiver des coups, pardon. Et même avec un boost de vie, je suis en train de mourir très très vite. Et je sais pas quoi faire, en fait. Je me demandais si j'allais les endormir ou me rendre de la vie. On va tenter les endormir. On y croit. En général, ça marche plutôt bien. Allez, dis oui. Dis... Oui, yes! Ok, on a endormi les deux pour 4 tours! Ah bah c'est bon, on va pouvoir se les faire tranquille ou pépère. Et là par contre, je me rends compte que j'ai pris Dambou pour pas grand chose. Bon, on va se prendre Cooper. Niveau action, je pense qu'il n'y a pas mieux. Je suis très content, jeunes gens, de vous retrouver sur Paper Mario. C'est un jeu malheureusement que je dois souvent mettre de côté parce qu'il se passe beaucoup de choses. Mais actuellement, le Kazma est en vacances, le Kazma a du temps, et donc le Kazma peut botter des culs! Et ça fait plaisir. Ok. Mon petit Cooper, attaque tous les ennemis au sol, c'est ça qu'on veut. Allez, roulez, boulez. Strike. Ah, dommage. Dommage. Par contre, je sais pas pourquoi est-ce que le second a plus de points de vie que le premier. Est-ce qu'à un moment, je vais... Attends. Ah non, j'ai tapé autant les deux. Ah. Ok. J'ai paniqué parce que j'ai vu son boulet en pique, donc du coup, j'ai cru que j'allais me bouffer, mais non, pas du tout. Tout va bien. Lance-carap. Normalement, le lance-carap, ça le finit. Ah, pas du tout, bordel. On fait pas assez de dégâts, les gens, c'est terrible. Mais alors, attends, une minute. Pourquoi est-ce que son arme me donne pas de coup alors que je lui mets un coup fessier? Je comprends pas. En général, quand t'as ce genre d'arme, tu te prends juste le coup sur les fesses et on te dit d'utiliser le marteau, mais apparemment ça fonctionne. Bien, et bah écoutez, on a passé les premiers gardes. Niveau point de vie, on n'est pas fou. Le problème, c'est que pour me rendre de la vie, je crois qu'il faut que je retourne jusqu'au village des bouts. Et ça, c'est pas fou. Ah, un trampolin, il y avait qu'un objet. Ok. Oui, mais je me bouffe le plafond. Ok, pourquoi pas. Alors moi, ce que je remarque, c'est qu'il y a une espèce de brèche au plafond. Parce que j'arrive à passer un petit peu de ma tête, mais je peux pas accéder à l'objet. Mais mince. Alors peut-être qu'il faut arriver d'en haut. Peut-être. Alors, jeunes gens, on est allé du côté ouest, tout simplement parce que je vais vous montrer, à l'est, il y a en fait un verrou qui nous empêche de passer. J'essaie de vous montrer assez vite. Voilà. Donc c'est parce qu'il y a ça que je peux pas accéder à l'est. Donc je suppose qu'on va trouver très bientôt une clé. Non. J'ai pas réussi à lutter contre l'ennemi. Non. Et c'est très la lutte. Et oui.
Et oui, 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 j'aurais dû prendre Dambou. Avec son pouvoir d'intangibilité, je serais passé plus facilement. Bon, bah écoute, on a lutté contre l'autre gaillard, on va reprendre Dambou, même pour les situations d'esquive, c'est quand même assez pratique. Voilà, si jamais je tombe sur d'autres ennemis dans les couloirs, au moins avec ça, je pourrais éviter la fight inutile. Ah, surtout que maintenant que je viens de prendre un level, je pense que je suis plutôt pas mal. J'ai pas fait gaffe, mais les mastocs, ils me donnent combien de points? Ils me donnent, je crois que j'étais à 9, ils me donnent 4 points, donc 2 points d'XP chacun. Oh, c'est pas ouf. C'est pas ouf du tout, même. C'est pas ouf du tout, ce couloir est très grand. Ok. Toi bien. Intangibilité. Mission Splinter Cell. Splinter Cell. Ok. Il ne me voit pas, il ne me voit pas. Ok, ok, ok. On entre, on entre, on entre. Jusque là, ça se passe bien. Donc, il y a un gaillard qui dort, mais oui. Un morceau de l'esprit étoile. Merci bien. Merci, merci, merci. Au revoir, monsieur. Oh, attends. Attends, 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 attends. Tu vas pas me dire que casser ça, ça ne sert pas à rien. Si, ça servait à rien. Bon, eh ben, écoute, tant pis. C'était des caisses vides. Alors, qu'est-ce qui se passe derrière cette salle? Derrière cette salle, nous avons la salle de banquet. Avec, je vois, un trou au plafond énorme, d'ailleurs, pour accéder au morceau d'étoile. Mais alors, du coup, la question est, comment accéder à l'étage? Je pense qu'il y a un escalier qui est à l'est, qui permet de monter. Parce que là, honnêtement, honnêtement, je me dirige vers la cave et je crois pas que c'est ça qu'on veut. Pour le moment, en tout cas, bonjour. Bonjour, bonjour, pas d'ennemis dans les escaliers. Vous voyez, oh bordel, il y a de la sécurité. Est-ce qu'il y a de la sécurité de partout? Non, parce que sinon, ça va être compliqué. Je vais devoir garder Dambou tout du long. Mission Splinter Cell. Ok. Mission Splinter Cell. Esquive. Oui. Oui, 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 oui. Un point de capacité. Avec ceci, vous pouvez donner un niveau à l'un de vos amis. Lequel souhaitez-vous renforcer? Je souhaite renforcer Dambou. Parce que Bombinette, on est d'accord que c'est pas celle qui me sert le plus. Souhaitez-vous renforcer ce membre du groupe? Je dis oui. Waouh. Elle est tellement stylée, cette animation. Et voilà, Dambou upgrade. Bou passe au rang super. Par contre, du coup, je me pose une question. Parce que l'air de rien, il nous manque que Bombinette. Et ensuite, on aura amélioré tout le monde. Mais est-ce que ça veut dire que quelque part, ils peuvent encore prendre de l'échelon? Ou est-ce qu'ils sont arrivés au maximum? Parce que ça aussi, c'est une très bonne question. Un bout chez Touba Blouba. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je suis en tôle ou quoi? Oh, c'est toi, Mario. Sympa ici, hein. En fait, je suis venu avec mes amis trouver le point faible de Touba Blouba. Nous avons compris qu'il cachait quelque chose d'important dans sa chambre à coucher. D'accord, mais qu'est-ce que tu fous à la cave? Mais nous avons été forcés de nous séparer et je me suis caché ici. D'accord. Vas-y, je t'en prie. Tu dois aller tout en haut du château puis trouver où est sa chambre. Si tu tombes sur lui, ne le combat surtout pas. Ah, ça veut dire qu'on peut tomber sur lui dans les couloirs, c'est compliqué ça. Il est vraiment invincible, tu ferais bien de fuir jusqu'à ce que tu découvres son secret, compris? Eh bah écoute, oui, merci de l'astuce. Oh! Oh oui! Oh oui, oh oui, 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 oui! Très bien. On a récup de la vie, donc jusque là on n'est pas trop mal, tant mieux parce qu'il m'en fallait. Du coup je sais que je peux venir me régénérer ici. Bon, c'est plus ou moins une bonne nouvelle. Ce qui aurait été cool, c'est un raccourci. Non, tu m'auras pas, sale mécréant. Je suppose en plus qu'il va m'expulser de la baraque si jamais il me chope. En fait, ce que j'espère, c'est qu'il n'y aura pas des sentinelles comme ça tout au bout du château. Parce que sinon, on va faire toute la route dans l'autre sens. Je suis désolé, mais ça va être chiant. Ça va être très très chiant. Alors attendez, parce que du coup il y avait la porte au nord qu'on n'a pas explorée. Sauf qu'à lui, qu'il la garde. Non, tu me laisses passer. Très bien. Ah, deuxième escalier qui mène à la cave. Ok, mais du coup, où? Mais du coup, mission Splinter Cell. On réveille pas la bête. Voilà. Tranquillou. Mais il y en a deux en plus. Oh là là, oh là là, oh là là. Et on peut donner un coup fessier juste derrière. Ok. Tranquillement, mais sûrement... Voilà, cassos. Ok, et du coup, oh, du coup j'arrive au coffre, nickel. Et tu me réserves quoi? La clé du château, bah voilà. Voilà, 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 on peut donc maintenant accéder à l'aile est, bah parfait. Parfait, parfait, parfait. Je pense pas que le château est très très grand. Déjà parce qu'on a fait tout le côté ouest, mais je pense pas qu'il soit très très grand parce que honnêtement, ouf, je vois pas ce qu'on pourrait trouver plus à part Touba Blouba et sa chambre, bien sûr. Et du coup, il faut absolument qu'on atteigne sa chambre avant de le trouver. Parce que si ce que dit Bou est vrai, on peut tomber sur lui bien avant de trouver sa chambre. Et ça, ça va être dangereux. Par contre, ce qu'on sait déjà, c'est qu'il y a un étage. Parce que deux fois, on peut accéder à, bah, à quelque chose et il faut un étage pour ça. Donc, je suppose qu'il y a un escalier qui monte à l'est. Il est encore là, lui. Pousse-toi! Non, 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 non. Tu dégages. Tu dégages. Tu dégages. Voilà. Là. Ok. Alors,
Bonjour, 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 si vous me chopez, c'est pas grave, je suis juste à côté de l'entrée. Oh, attends. Voilà, on va retirer le verrou et on va aller se faire une petite sauvegarde de sécurité. Bon, au pire, ça vient au même. Voilà, c'est juste un petit coup de blabla qu'on a en plus. Parfait. Bien. Si ces horreurs nous attrapent, nous nous faisons éjecter. Sers-toi de mon invisibilité pour les induire en erreur. Waha ! Merci. Donc, petit point de save avant d'attaquer. Voilà, le couloir de droite. Et on est parti. Donc. Que nous réserve cette demeure? Oh, mais je viens de voir qu'il y avait un pont. Non. Ah, bordel. J'ai été mauvais parce que j'avais pas vu cette sentinelle. Enfin, si, je l'avais vu, mais j'ai cru pouvoir le faire du premier coup. J'avoue, j'ai vu gros et me voilà revenu à la case départ. Voilà. Foutez-moi la paix. Nya-ha. On est reparti, mais cette fois-ci, je vois pas gros. Non, Dambou. Attends, j'ai bilité. Nya-ha. Nice. Donc, qu'est-ce qu'il y a de ce côté? Bonjour. Je déteste ces mecs-là. Enfin non, ils sont stylés en plus. Et en termes d'ennemis, ça change un peu, mais... ils sont mastoc. Surtout qu'ils ont beaucoup de points de vie. C'est des sacs à PV. Ok. Exploration en cours. Oh, oui. On a trouvé comment monter à l'étage. J'ai pas l'impression qu'ils puissent aller dans les escaliers, les ennemis, en général. Voilà. Esquive gérée. Parfait. Oh là là. Il y a des sentinelles ici aussi. Bordel. On se marre. Voilà. Casse-toi. Mission Splinter Cell. Non. Merci Dambou. Ok. Il fait son secteur. Tout va bien. Oh, il est ridicule son secteur. Non. Ok. Parfait. Donc, on est au premier étage. Je pense pas que les sentinelles de bas puissent m'avoir. Mais en fait, je peux même pas les voir. Mais ils sont pas là. Ils ont disparu, ils sont en pause les bougres. Alors qu'il y a deux secondes, ils m'embêtaient encore. Non mais c'est terrible ça. C'est terrible. Qu'est-ce que tu gardes toi, dis-moi? Tu gardes pas grand-chose. J'ai pas l'impression que l'endroit soit très très grand. J'ai l'impression qu'il y a une grosse sécurité, mais pour pas grand-chose en fait. Il y a quoi? Il y a quatre couloirs dans la baraque. Aïe. Je me demande comment récupérer le morceau d'étoile. Oh bordel. Si ça, c'est pas de la mission d'infiltration, je sais pas ce que c'est. Non, invisibilité. Voilà, tu t'en vas. Cassos. Et donc, what the fuck. Est-ce qu'il faut jouer avec l'invincibilité de madame? Je crois qu'il faut jouer avec l'invincibilité de madame. Bon, attends, j'ai bité. C'est terrible comme mini-jeu. Comme énigme. C'est mortel. Enfin, c'est... aïe. Oh non, et ça renvoie au début en plus. J'ai vu gros. Intangibilité. Ok. Faut penser au temps de réaction aussi, parce que Dambou, elle te rend pas invincible tout de suite. Ok. Tout va bien. Ok, nice. Et donc, ça me réserve la clé du château, parfait. Même si j'ai aucune idée de à quoi elle sert. Mais je le saurai très bientôt. Je me demande si la chambre de Toubalouba a une serrure bien à elle. Genre une clé spécifique, tu vois. En même temps, gardée par des pics comme ça, ça aurait été logique de la trouver là. Ok, tout va bien. Donc, on a une nouvelle clé. Ah, bordel. Tu me frappes pas. Moi, je m'en vais. Voilà. C'est là. C'est là qu'on peut accéder au morceau étoile. Mais du coup, c'est là. Parfait. Bien. Maintenant qu'on a le morceau étoile, le délire, c'est qu'il faut faire demi-tour. Mais du coup, attends. Comment est-ce qu'on fait pour accéder à l'objet du tout début? On est d'accord qu'on n'a pas trouvé. Je viens de tomber sur un mastoc. Parfait. Bien. Et donc, nous poursuivons notre route. J'ai réussi à m'occuper des ennemis assez facilement et je suis très content parce que la nouvelle capacité de Dambou est très très utile. Le pouvoir de la terreur, ça fait toujours effet. Bien. Et donc, nous étions à la recherche de Toubablouba, de la chambre de Toubablouba, et... Non, tu me fous la paix, voilà. Tu
tu es gentil avec moi. Foutez-moi la paix, s'il vous plaît. Bien, donc on a dit qu'on n'avait pas trouvé le moyen d'accéder à l'objet perdu. Je pense, jeunes gens, je pense qu'au premier étage, je sais pas si vous avez remarqué, mais il y avait un mastoc qui dormait au milieu de nulle part, au milieu du couloir. Et je me demande si c'est pas ici que se trouve un certain passage secret. Donc une fois qu'on y sera, on va tenter d'utiliser Bombinette, même si j'avoue que j'ai un peu peur. Parce que si je me fais repérer, ce sera chaud pour esquiver. Mais on peut toujours essayer. On peut toujours essayer, ce sera pas évident. Oulala, oulala, oulala. Mais on peut toujours essayer. C'est pas du tout ce que je voulais faire. Intangibilité. Merci. Ok. Il est chaud à esquiver, il est chaud à esquiver. Ok. Mission Splinter Cell. 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 Nya-ha. Et nous revoilà au premier étage. Bien, on est de nouveau là, tout va bien pour le moment, en tout cas, pas de problème à l'horizon. Alors, mon petit mastoc d'amour, c'est lui. C'est lui, c'est lui, c'est lui. Et c'est ça, on dirait qu'il garde une brèche en fait. Mais du coup, il va falloir la faire péter. Bordel, 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 bordel. Blabla. Je me suis fait avoir. Bon, tant pis. Et voilà, c'est passé sans trop de problèmes. Donc, ma petite Bombinette, viens faire ton œuvre. Mais Bombinette, pourquoi t'as bougé? T'étais bien, t'étais devant la faille, tu bouges pas. Non, Bombinette, Bombinette. Bombinette, pas gentille aujourd'hui. Attends, viens là, et tu exploses. Voilà, devant le trou, merci. Donc, on a accès... Ah, d'accord, je vois le délire. Alors, ça à tous les coups, c'est pour tomber sur le trampolin. Ça, ça doit être pour tomber devant la porte. Je suppose donc que toi, t'es le bon trou. Ah, ou alors, attends. Attends. Ça, c'est au centre de la pièce. Donc ça, ça doit être le trampolin. Donc ça, ça c'est la table. Ça, c'est la table. On y croit. Oh, yes. Oh, je suis trop fort. Ok. Donc, paprika. Non, je veux paprika. Merci. Donne-moi paprika. Paprika, fais ton œuvre. Tantalala. Je suis content parce qu'aujourd'hui, on utilise tout le monde. Et ça, c'est très très bien. Donc, on a récupéré le saut mini-défense. Diminue la défense de la cible et lui inflige des gros dégâts. Parfait, ça, parfait. Je vous fais une petite ellipse, on se retrouve de nouveau en jeune Jean. Histoire de pas perdre trop de temps. Et donc, tous les trésors de cette demeure sont à nous. Alors, nous allons chercher la chambre de Touba Blouba, bordel. Bordel. Il a failli me tomber dessus, lui, mes crayons. Oh, tangibilité. C'était limite, ok. Cassos, voilà, barre-toi. Non, j'ai dit non. Non. Ok. Donc, alors. Qu'est-ce que vous me cachez? On venait d'arriver dans ce grand couloir où se trouvait le morceau d'étoile en contrebas avec une horloge juste ici. Alors, le problème, c'est qu'on a la clé. Sauf que, il y a cette espèce d'andouille qui garde la porte. Donc, je suppose, voilà, que je peux la tirer. Parfait. Pour éviter totalement le combat. Allez, on y croit, on y sera largement avant lui. Nickel. Par contre, juste avant de passer cette porte, je veux savoir pourquoi il y a cette horloge. À quoi sert cette horloge? On est d'accord pour dire que cette horloge est méga suspecte. Allez, va faire dodo. Voilà, casse-toi. Mais tu veux pas te rendormir? Tu m'embêtes? Voilà, casse-toi. Ok. On patiente tranquille au pépère. Qu'est-ce qui se passe? Ah, je peux. Oh. J'avais pas cru. Oh, c'est la chambre de Touba Blouba. Enfin, je crois parce que c'est très grand. Parce qu'il y a une chaise renversée. Parce que c'est une chambre d'ado. C'est une chambre de thug. Et il y a un tiroir d'ouvert. Et on peut pas faire grand chose ici, en fait. Qu'est-ce que... Alors, on peut bel et bien aller sur le lit. Maintenant, reste à savoir comment on fait. Je me demande s'il n'y a pas encore un étage. Parce que j'ai pas l'impression qu'on puisse l'atteindre de là. Mais... Perturbe cette histoire. Perturbe. Je suis sûr qu'on peut faire un truc, mais reste à savoir comment. Peut-être avec Bombinette. Peut-être que Bombinette, elle peut faire un truc utile. Bombinette, fais ton œuvre. En fait, Bombinette, elle est pratique, mais pour les actions dans le jeu, pas pour les combats, en fait. Et c'est le nope. Bon, écoute, je sais pas. On essaiera de revenir par la suite. On avait dit Dambou. Pour l'esquive, pour le Splinter Cell, pour la discrétion. En avant. Ok. Discrétion. Le bruit d'or, voilà. Viens me voir, tranquillou.
on fait le tour, tu me cherches très très loin, et pendant que tu me crois à l'autre bout de la salle, je suis en fait derrière toi, et j'ai traversé ta porte. Oh! Oh! C'est quoi? Sirop d'érable, rang 10 PF, parfait. Y a-t-il de la sécurité dans l'escalier? Nope. Tiens, d'ailleurs, il y en a pas pour ce coup. Marrant, ça. Alors, on est juste au-dessus de la chambre de Touba Blouba. Enfin, de ce qui ressemble à la chambre de Touba Blouba. Tu ne me feras pas croire qu'il n'y a pas un truc de... caché. Oh bordel. Quoi? Sniff. Il y a une odeur louche. Oh mon dieu. Casse-toi. Intangible. Ok. Très bien. Je vais peut-être pas rester devant la porte. Il vient ou pas? Ok, il vient. On sent des tremblements de terre. Je sais pas ce qu'il fout, mais je suis pas à l'aise. Ok, je suis pas rassuré du tout. Vite! Bombinette! Allez. Fais péter un truc! Ok, comment ça se passe? Ok, ça se passe qu'il vient de repartir à l'autre bout. Allez, bombinette! Bordel, c'est pas ça. Vite. Dumbo. Ok. On est prêt. Qu'est-ce qu'il fout? Non! Je ne suis pas là. Je n'existe pas. Et tu continues. Voilà. Ton petit bonhomme de chemin. On se laisse une petite distance, histoire de gérer. Tranquille. Voilà. Et tu t'en vas. Bien. Je sais pas du tout comment accéder au passage secret. On a vu qu'il y avait un passage secret, mais alors comment on y va, c'est une très bonne question. Qu'y a-t-il ici? Oulala, il y a du monde. C'est la réserve? La caserne? Oh le bordel. Ok. On a la clé du château. Et là, on s'en va tranquillement, sans faire de bruit, sans alerter tout le monde. Tout va bien. C'était short. Ok. Il faut qu'on essaye un truc. Je me demande trop comment on fait pour ouvrir cette porte. Je sais pas. On sait que la réponse... Oh, point de sauvegarde et de la vie. On sait que la réponse se trouve dans la chambre de Touba Blouba. On est sûr qu'il s'agit de sa chambre. Enfin, en tout cas, pour le moment, ça y ressemble vachement. Mais on sait pas comment faire. Là, il y a quoi? Là, il y a un autre couloir. Un couloir avec une réponse? Un couloir avec un levier secret? Un couloir qui va nous donner des réponses? S'il te plaît? Dis oui. Dis oui. Oh, la petite salle de lecture de Touba Blouba. Oh, bien installée en plus. Enfin, bien installée tranquillement. Ah, mais ça aussi, ça peut être ça. Chambre? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Est-ce qu'on peut affronter Touba Blouba n'importe quand? Genre, pas du tout dans sa salle? Parce que j'ai l'impression que ça va ressembler à ça. Oula! Je crois que j'ai des ennuis. Cet esprit étoile a fui. Il se passe des choses bizarres dans le château. Je ne voudrais pas mettre en colère Bowser. Il est terrifiant. Il m'a rendu invincible. Mais si je ne fais pas attention, il me fera redevenir normal. Oh mon dieu. Tu fais dodo, hein? Ok. Je vais dormir un peu. Oui! Voilà, tu fais dodo. Et tu fais pas attention à nous. Bien. La bête est là. On est au bout du château. Là, on est au bout. Ok. Est-ce que c'est le secret de son invincibilité? C'est quoi? Une clé? Chalut! Je suis biqué! Un fidèle suivant de maître Touba Blouba. Mon travail consiste à garder ses biens. Oh, mais c'est peut-être donc toi qu'on avait besoin pour ouvrir le passage secret. Quoi? Mais tu ne ressembles pas du tout à maître Touba Blouba. Cela voudrait donc dire que vous êtes venu me voler, moi, la clé magique qui ouvre la porte du moulin Rafale au bout du ravin ventu. Oh là là, c'est loin. Et votre objectif est de trouver s'il y a un secret dans le moulin Rafale. Oui, apparemment, je savais pas, mais oui. Es-tu quelqu'un d'honnête? Au secours! Maître Touba Blouba! Au voleur! Au bordel! Non! Mais que se passe-t-il? 5 minutes, maman! Oh non! Oh non, il est réveillé! Avec la clé? On a la clé! Cassos! Vite! Avant qu'il se réveille! Ok, je crois qu'il a pas encore fait gaffe qu'on s'est cassé.
On se casse très très vite. On se casse très très vite. Ok. On a trouvé un moyen d'accéder au moulin du Ravin Ventu. Souvenez-vous qu'on avait croisé, je crois, dans l'épisode dernier ou encore celui d'avant. Par contre, on ne sait toujours pas comment faire pour son invincibilité. Hé, hey, voleur, stop! Oh bordel, oh bordel. Oh la vache, oh la vache, oh la vache. Il débarque, il débarque. Oh, je vais pas aimer, oh, je vais pas aimer, oh, je vais pas aimer. Il arrive, cassez-vous. Il est derrière nous, Vite, vite. Je crois que les mastocs, ils l'ont compris avant nous, il faut pas rester dans le coin. Oh là là, oh bordel. J'aime pas du tout. J'aime pas du tout. On se casse. La sécurité! Enlevez-moi! Ce sera toujours moins dangereux. Oh, les pauvres, ils sont coincés! Non. Ok. Je sais pas du tout comment régler son problème d'invincibilité, mais je crois qu'ils sont contre-fous. Enfin, nous sommes au château de Toubalouba! Vous êtes tous prêts? Soyez courageux, nous devons venir en aide à Dambou! Mais, que peut-on faire? Ne perdons pas notre calme, les amis! Notre dame combat Toubalouba en personne, nous ne pouvons pas hésiter! Oh bordel, je crois qu'ils vont se rendre compte qu'ils vont devoir faire très vite demi-tour. Reviens ici! Oh oh. Courez! Non? Non, personne court. Ok! Quel est ce bruit? Tout, pour ça, il est juste derrière pour nous. Quoi? Tu pensais être capable de trouver son point faible? Oh, bien sûr, le moulin est au pied de la colline. Ok, direction le moulin. Tu dois te dépêcher, cours le plus vite possible au moulin. Nous allons retenir Toubalouba. C'est trop dangereux! C'est un taré, il va tous vous dévorer! Ah, par contre, ça, je pensais pas du tout. Du coup, la chambre secrète de Toubalouba est au moulin. Ok, moi, je pensais trouver quelque chose d'autre, mais. Pourquoi cette porte ne s'ouvre-t-elle pas? Oh mon dieu! Je ne sais pas si je pourrais. Attends. Je ne sais pas si je pourrais le tenir longtemps! Ne te fais pas de soucis pour nous, partez vite! Ne vous retournez pas! Oh bordel! Petit point de save quand même, histoire d'assurer la sécurité, on en a un peu moins de 25 minutes. On va continuer encore un petit peu. Ce sent bon le fantôme, ouvrez la porte! On va au moins tenter de rejoindre le village, et puis je pense, jeune gens, qu'on s'arrêtera là pour l'épisode numéro 22. Ça sent bon le fantôme, ouvrez la porte! Oh bordel! Cassos. Je sais pas du tout s'il peut me rattraper ici, et je veux pas savoir! On se casse dans un élan de tourbillon. Non, de toute manière vous m'aurez jamais. Je suis beaucoup trop rapide pour vous. Non, trop rapide comme l'éclair. Case Mario l'éclair. C'est stylé Case Mario l'éclair. Et... ok. Oh la panique, fuyez les bons, vous allez vous faire dévorer. Est-ce que on a toute notre vie? Fuyez. On va tous mourir. Petit point de save. Ok. Bon, et bah écoutez jeunes gens, je pense qu'on va s'arrêter ici pour l'épisode numéro 22 de notre aventure sur Papin. J'espère encore une fois que ça vous aura plu. On est poursuivi par Toubalouba, on va savoir la source de son invincibilité dans l'épisode prochain. En attendant, n'oubliez pas le petit commentaire qui fait plaisir, le petit pouce bleu, ça soutient. Et on se retrouve très bientôt pour l'épisode prochain où je pense on affrontera Toubalouba. Bisous à tous.